Impossible d'avoir une place assise dans ces bus bondés. C'est vraiment le bagne, surtout après une journée de boulot. À ce propos, ton job d'ouvreuse de cinéma, ça te plaît toujours ? Plus beaucoup. C'est épuisant et ça rapporte peu. En plus, je suis payée au pourboire. Et les gens ne sont pas généreux ? Bof. Les places sont déjà si chères, alors les gens ne donnent pas beaucoup. Parfois, pas du tout. Et puis, il y a plein de clients impolis. Ah bon ? Aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé une place dans l'obscurité à un petit snob. Et pour tout remerciement, il m'a marché sur les pieds. Tu parles d'un pourboire ? Mais alors, qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis penchée vers lui et je lui ai dit « Hep, j'ai un scoop pour vous. Le coupable, c'est le beau-père du boucher. » Hep, mon bon monsieur, vous avez bien une petite pièce pour un brave vagabond. Eh bien, voyons voir. C'est invraisemblable. Je ne trouve plus mon portefeuille. Mais voyez, la poche de mon blouson est vide. C'est bien ma veine. Ah, oh, je suis bien embêté maintenant. J'ai un train de banlieue à 9h et je n'ai pas de billet. Comment vais-je trouver 2 euros ? Un ouvre-boîte, du tabac, un vieux bout de bougie. Ah, voici vos 2 euros. Non, je ne veux pas abuser de votre amabilité. Si, si. Prenez, c'est de bon cœur. Alors, j'accepte bien volontiers. Merci beaucoup. En définitive, le proverbe dit bien la vérité. Il n'y a que les pauvres qui savent donner. Vous gênez le passage. Soyez gentil, monsieur. Dégagez le passage, par pitié. Dégagez le passage ? Je n'ai pas ça dans mes projets. Je travaille, moi. D'ailleurs, c'est vous qui gênez. À vous de bouger votre voiture. Je n'en crois ni mes yeux, ni mes oreilles. Je suis attendue pour déjeuner. Et je suis déjà en retard. J'enrage. C'est bien dommage. Bon, allez, d'accord. Je suis prêt à vous arranger. Mais venez m'aider à décharger ces cajots. Et plus vite que ça. Oh ! Espèce de goujat ! Grossier personnage ! Des injures, à présent. Jusque-là, je suis resté gentil. Mais plus question que je m'en aille. Voyez-vous, s'il le faut, j'ai de quoi patienter toute la journée avec mon journal. Pour fêter dans la joie la fin de notre séjour, je suggère qu'on déjeune au Jardin Magique. John ! Le Jardin Magique, c'est pour les privilégiés de la Jet Set, pas pour des gens comme nous. Encore une idée de génie. Ne joue pas les rabat-joie. Mais tu as raison, notre budget est trop juste. Ah, j'ai une autre idée. Allons investir notre argent au jeu. Imagine un peu, quelques pièces dans l'un de ces jackpots et à nous le Jardin Magique. Le jackpot et tous ces jeux d'argent, c'est bon pour les jobards. Et puis, rappelle-toi cette prodigieuse partie de Blackjack. Tu as bien failli perdre ta chemise et même ton jean. Que tu es désobligeante. Eh bien, adieu, Jardin Magique. Et bonjour à toi, triste jambon-beurre. Sandra, nous voilà chez le 7e marchand de chaussures. Quel supplice, ce shopping. Encore un peu de patience, Sacha. Il solde des chemisiers sublimes chez Fanfreluche. C'est juste en face. Super. Et en route pour la chasse aux chemisiers. Extraordinaire. C'est le chemisier de mes rêves. Je l'essaye sur le champ. Bon, je t'attends au rez-de-chaussée, près des ascenseurs. Le chemisier est superbe. Je l'achète. Où est la caisse ? Au bout de cette immense queue. Tu es sûre de vouloir acheter ce chemisier ? Bien sûr. À ce prix, c'est une chance inespérée. Une chance pour le commerçant. Regarde sur la manche. Il y a une grosse tache de graisse. Catastrophe ! Et c'était le dernier en solde. Satanée tache. Tant pis. Allons voir chez Cyrus, c'est à 5 minutes.